Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo virée camping-cœur. Voilà, alors je ne suis pas seul, avec beaucoup de joie, je suis accompagné par mon fidèle compagnon Christian. Christian, voilà, vous voyez derrière, voilà, qui vous fait un coucou, qui est maintenant de toutes les virées. Et puis, exceptionnellement, aujourd'hui, le père Hubert de Passemard. C'est la fête du cœur de Jésus, voilà. En fait, pour les audices, donc j'ai accepté de me laisser embarquer dans le camping-cœur. Vous voyez, alors, il y a 15 jours, j'avais fait la virée avec Monseigneur Bozo, qui était venu faire la visite pastorale, c'était où, il y a 3 semaines, je ne sais plus. Et là, voilà, c'est le père Hubert. Bon, est-ce un signe? Est-ce que les virées camping-cœur seraient-ils... propice pour un siège épiscopal, on ne sait pas. C'est plutôt l'inverse. Voilà, aujourd'hui on est parti à Royères de Vassivière. Alors comme d'habitude, on s'est garé devant l'église, alors en marche arrière dans la descente. Donc Jésus avait un petit côté tour de Pise sur le petit hôtel du camping-cœur. Voilà, on a commencé par prier pour tous ceux qu'on allait rencontrer, ceux que le Seigneur allait mettre sur notre route. Voilà, c'est toujours un beau moment, très apaisant. Voilà, on s'ouvre vraiment à la présence. En plus, en cette fête, comme disait le père Hubert, du Sacré-Cœur de Jésus, qui est une solennité, une grande fête eudiste. Et puis après, on a été saluer la mairie. Voilà, on le fait toujours à chaque fois. La mairie était fermée, comme d'habitude, on a été accueillis chaleureusement. On a pu discuter un peu, se présenter. Et puis nous avons été rendre visite au squat. Alors on y était déjà allé il y a 4 mois je crois. Et puis là, ceux qu'on avait connus à l'époque, ils sont tous partis, ils ont repris la route. Et là on a rencontré 3 nouvelles personnes, très très sympathiques, des jeunes. Alors on ne donnera pas les noms. Mais vraiment des jeunes super accueillants qui nous ont fait un café avec un autre monsieur, lui qui vient de Turquie et qui nous a confectionné avec des canettes de bière, voilà, avec des cendriers. Alors, c'est pas une auréole, hein. Bah, c'est pas une auréole, non. Et voilà, on a passé un très bon moment d'échange. Et alors, voilà, puis à la fin, je leur ai demandé s'ils étaient croyants, voilà, juste à la fin. Ils m'ont dit, on vous remercie de ne pas avoir abordé le sujet tout de suite, voilà. Mais on a vraiment un très beau temps d'échange. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Hubert? Moi, j'étais ébloui par l'accueil, voilà, c'est-à-dire qu'on arrive, on vous offre le café, on vous offre des dates, voilà, c'est des figues, pardon. Et par la simplicité de ces jeunes qui étaient un peu des jeunes du voyage, enfin ils ont pas dit qu'ils y voyageaient. Et moi ça m'a rappelé un peu les jeunes que j'ai croisés à Rennes, mais vraiment être accueilli par eux, c'est très différent que d'accueillir, accepter de se faire accueillir. Oui, c'est ça. D'ailleurs, pour pouvoir accueillir, il faut vraiment se laisser accueillir, hein. Ça, c'est vraiment ce que j'apprends beaucoup dans ces tournées. C'est un peu l'expérience, toute chose égale par ailleurs, de Charles de Foucault d'ailleurs, hein, qui pour prendre soin des gens du désert, il a dû se laisser accueillir par eux parce qu'il est tombé gravement malade. Et alors, et toi Christian, tu as vécu une belle rencontre aussi pendant... Où est-ce qu'il est? Ouais, tu parlais. Ah, il faut que je fasse attention à la route là. Là Christian, il faut que tu dises quelque chose. Hein. Je me détache de ma ceinture de sécurité. Eh bien, moi, j'ai beaucoup parlé avec en fait celui qui était d'origine turque. Et ça fait 33 ans qu'il est en France. Et il a une vie un peu particulière parce qu'en fait, sa grand-mère était chrétienne et son grand-père musulman. Et c'est comme ça qu'il a appris un petit peu la différence. Et il a été très sensible à la possibilité d'exprimer ce qu'on est réellement et non pas simplement se couler dans un moule tout fait. Et c'est ce qui l'a amené en fait à quitter la Turquie parce qu'il s'est trouvé plus à l'aise en France pour la liberté d'expression. Voilà.
Eh bien, alors je reprends la main tout en sans lâcher le volant, je reprends la main. on va couper pour que la vidéo soit pas trop longue, parce qu'après il faut la monter. Voilà, on a essuyé une averse. Heureusement, on était dans le squat et le squat était étanche. Donc on n'a pas été mouillé. Et là, on reprend la route. Alors, je vais vous la montrer quand même un petit peu. Sinon, je ne peux pas. Tant pis, la route est magnifique aussi. C'est très beau. Le soleil est revenu. Voilà, puis vous voyez, on a tous les trois des mines réjouies. Voilà. Ah, mais vous n'avez pas vu le quatrième compagnon? Ah, oui, oui. Ah, oh, bah oui, oui, un quatrième compagnon. Il y a Toby. Voilà, c'est pas Toby, c'est le chien de Toby d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez, il y a un chien avec nous. Qui s'appelle. Jimbo. Qui a été très digne et qui a été très sage. Voilà. Eh bien, on vous salue et puis une première tournée virée. Excuse-nous, ça secoue un peu, hein, mais au moins vous êtes dans l'ambiance. Regardez la vue, les petits amis là. Hop là!